La police nationale d'Haïti débarque dans Fonverette. Et fois ça, c'est population qui a accueilli monsieur qui finalement qui finit là pour mettre l'ordre dans les ordres. N'a pas rappelé dans zone ça pendant le dernier jour ça a eu plusieurs massacres qui fait la donne. C'est si monsieur Savio qui a taillé bande à faire l'obéi. Eh bien, unité Itag a caboy de débarquer les ça. Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur, c'est pas des coffettes qui fait, c'est pas des bagailles qui a fait à cause de la population finalement, ouais. Donc la police rivé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je me sentis content, moi heureux. Les m'a regardé la population Antonio pour marier avec la police pour capable de finir avec nèg sa qui a pratiquement il y a plusieurs années à terroriser la population. Messieurs dames la société, est-ce que nous en forme, est-ce que n'a kembe ou sous maman ben bachaille pas contre là. Nous pas le bon détail, nous pas l'expliquer. En pile nèg tombé, en pile l'homme est fait jodi à la dans fond berette. Mandez-moi, m'bra le bon détail, posez une question. M'a expliqué, m'a répondu, ou apprendre qui quantité nèg qui était là pas là encore et qui ça la police a réglé actuellement là dans Fonverette. L'autre point cap dominer actualité a, mesdames mademoiselles et messieurs, profane Victor. Nèg ça qui réputé comme nèg qui était baïti monsieur, ça vient au gros âme 20 fois. Eh bien, normalement mesdames mademoiselles et messieurs, petit ça qui c'est yon ancien chef surtout en dans parlement haïtien, OK? Eh bien, ancien voleur ça mafia ça. Les États-Unis d'Amérique sanctionnent monsieur. Je dis là, monsieur Victor a vive avec en sanction. Monsieur pas gagné pour le mettre pied aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, yo mettez à travers donc ça qui fait là, yo informé mais qui réseau qui fait. Donc yo sanctionné monsieur. Et yo n'a raison yo, c'est parce que monsieur a capé plusieurs gangs et yo n'a gang que le capé yo, il desservi à que même là, c'est gang monsieur Savio qui normalement donc a retrouvé yo actuellement là. Non, on s'est rendu de zone cap à tout le monde cap faire l'obéi. Bonjour à tous, bonsoir encore une fois. Est-ce que n'abkem, est-ce que en forme? La police nationale d'Haïti pas quoi pas suspendre chômé, c'est pas des nèg cap précode. Dans Delma la police a fait l'obéi hier. Faut titre même gap les formations que me pral partager à vous même et même les vidéos mes frères et sœurs amis, comment bagaille a évolué actuellement là dans la cour au pays d'Haïti. Nous parti. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, écoutez bien. La police a pratiquement commencé à montrer les gens pas en rien. Tenez bien. Agent Utag dans la commune Verrette avec plusieurs agents Boyd déployés dans Saint-Marc pour mettre la population civile en confiance. Et bien, plusieurs agents unité tactique anti-gang, ça a eu les Utag là, avec la brigade d'opération d'intervention départementale, ce que nous avons les Boyd là, déployés dans la commune Saint-Marc. Jeudi, mes frères et sœurs amis, qui c'est mercredi 22. À 25, disons, 25 septembre 2024 là. Et objectif là, c'est pour bailler population confiance et puis bailler population donc yon tipe parce que chef de gang yo, yo fait en pile l'obéi pendant ces derniers temps, yo mette population dans en pile problème. Et bien, donc la police allait dans zone zadou dans l'idée pour capable contrer carré sak bandi yo à pas chercher à commettre sous population civile ça. Dans cadre déploiement ça, force l'audio mesdames mademoiselles et messieurs. Yo augmenté patrouille yo et puis établi donc à point fixe pour empêcher bandi sorti à Jean Hôpital donc dans posonde pour rentrer dans Saint-Marc. N'a pas bloqué majorité dans démarche qu'a fait yo monsieur c'est en dedans posonde yo sorti et puis là sorti posonde a au premier objectif là c'est pratiquement aller dans Saint-Marc. Li important mesdames mademoiselles et messieurs. Li important pour que moi s'il y en ait pour nous. Donc m'a rappelé nous que population était près la rue. En pile, yo t'en pile dans la commune Verrette pour te battre bravo, la contentement pour travail la police a fait, mais surtout policier Utag Akboyo qui pas suspendre brave danger, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour assurer sécurité population contre bandits sa foi ni loi. Réaction citoyen dans la commune Verrette montre importance, mesdames, mademoiselles et messieurs, mariage population haïtienne, donc ça qui est dans les MPPA, mariage population avec la police, gagné. Dans combattre insécurité et puis permettre la paix blaye sur tout le territoire national là. Et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, la police a fait gros l'obéi et plusieurs bandits là, ils ont commencé à mettre corps au trapé puisque la police n'a pas décidé de chômer. Mes frères et sœurs amis,
C'est évident pour nous dire à tout le monde qui vit dans ces milieux de zone. Toujours collaborer avec la police, parce que c'est celle la police qui est capable d'aider nous. Je nous souhaite, mesdames, mademoiselles et messieurs. Comme ça, d'abord, on a dit dans 5 ans, laboratoire qui a dit c'est dans 30 ans, dans 5 ans. Et ça nous dit à Céline Fête, le 8 mars 2023, nous remettre jusqu'à dernier centime, comme ça, que nous devons dans l'ONA. Et dans le film comme ça, on ne va jamais parler de l'ONA encore. Il y a même 500 personnes qui prêtaient dans l'ONA. Il y a 200 personnes qui prêtaient 10 fois plus comme que nous. Pas chanter de nous. C'était moi, ULC, c'était pas une autre saillot. Théorie de l'Ebun saillot, on a dit, il va pas s'en faire. Mais quand le sénateur a tout suffi de payer, c'est quand on a dit, pas de monde qui nous l'a encore. Là, on a regardé dans le niveau là pour voir combien de monde qui nous l'a. C'est pour ça que je dis, c'est persécution politique. Affaire de 30 ans à ma guerre, nous devons payer. Moi, je vais mettre comme là, chaque mois. Et c'est moi qui ai relé, puis je dis que c'est maman qui fait prêt à pas son nom, prêt à pas faire rien, alors que tout le monde est loin dans la journée pour nous faire là. Valeur ferme, la tortue de gagner, qui laisse ça, t'es déjà produit 200 à 250 000 œufs par jour. Je dis à par contre combien d'œufs, non, nous produisons. Je dis à par contre combien d'œufs, parce que ça, t'es toujours besoin de graser la production nationale ça. Et malheureusement, le gouvernement par nous te met ensemble avec eux pour te graser la production nationale. Là. Je t'ai acculé de ça. Et bien là, ça me répondre devant l'ULCC et me dit, comme qui veut dire, c'est moi qui veux dire. C'est ferme là qui veut dire. Comme ça, nous prêter pour nous agrandir une ferme qui a commencé depuis 2015. Nous dit que, on y a. L'euro, ça n'a pas suffi. Parce que, yo chute un premier ballon. Il sorti de l'euro. Il y a le deuxième ballon. Le gouvernement a rien à dire. L'euro est invité à venir dans le gouvernement, dans la primature. L'euro regarde les programmes. Moi, dis, le gouvernement, ça ne va pas régler rien. Où est la question de sécurité? Je dis, la sécurité est un détail. Je dis, pas si rien. Il y a des amis qui étaient là, ils ont dit, c'est là que je suis passé, on va payer sa chère. On a dit, pas besoin d'un homme. C'est une grande danse. Eh bien, passé, même moi, je fais payer sa chère. Depuis la salle, je mettais une association avec les gars. Depuis la salle, je mettais une suspicion de moi. Je prends un dossier, je fais blanc fini. Je accuse, je écris blanc. Là, ici, dans la carte difficile, ils parlent à blanc pour ma sanction. Et je me dis, ça n'a rien confiance. Je me dis, je ne vais pas me tromper d'ennemi. Je me pose des questions sorties. Parce que même j'ai des informations dans l'État. Je me fais enquête. C'est même j'ai des informations tout. Là, l'État fait ma bouille. Pour me grasser. Là, je commence à faire manifestation. Pour me dire que le gouvernement ne va pas prendre rien. Eh bien, il y aurait des problèmes pour dire, si je vais bloquer le sénat de la torture, eh bien, ça va pas être grave. Et c'est pour ça, sanction tombée. Les sanctions finissent tomber, je vais juger les mêmes. Juger les mêmes, en première fois, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas aller. Mais après ça, me lever ma main pour me dégager le danger. Pour me répondre à toutes questions. C'était le 6 mars 2024. Et heureusement, il y a un juge, il y a un bon juge qui est CSPJ qui est là toujours. Parce que si le gouvernement te mettait tout le juge en bas, mais si il y a un CSPJ, bien content de proposer la loi ça. La loi de la torture, la loi sur le CSPJ. Parce que c'est ça le dia qui a pour vous protéger le monde, non pas le gouvernement. Et bien 6 mois après, le juge a rendu l'ordonnance libre. Et il dit que le sénateur de la torture n'a pas rien pour moi, ni de près, ni de loin, à question de violence, à question de bandit, à question de incendie, à question de gang. Et ordonnant ça, il y a telle autorité de la chose jugée, puisque il n'y a aucun appel qui fait contre lui. Et moi, je dis à chaque fois que je sortis, je dis papa, ici, ça.
Parce que le négio, la guerre persécution, ça se donne, c'est ça, le caractère assassination. Il faut faire détruire le caractère. Il faut faire pour peur. Il faut faire pour ne pas marcher dans la rue. Il faut faire pour regarder pour nager. Et moi, je dis, je suis militaire, je suis gars, je suis gendarme, je ne suis pas personne. Et l'homme va faire rien, regarde tout pour nager. Et c'est pour ça que je remercie le peuple en pile. Parce que chaque peuple a nous dit qu'il y a le courage, la victoire, c'est à nous. La défaite du droit est éphémère. Et dans ce sens, ça, moi dis, je dis, accusation, ça, eh bien, la justice décide sous lui. Mais l'accusation que le gouvernement a mis des suspicions de droit là, pour qu'il ne s'en pas porter, c'est parce que le connaît, question ça a réglé déjà devant la justice. C'est donc conseiller de Fritz Meuse qui t'a accusé dans l'ambassade américaine qui t'a dit qu'il a fait drogue sous port, mon naïf. Pendant ce temps, c'est lui qui t'a loué pour moi. Il t'a loué pour moi. Il t'a loué pour moi pour qu'il donne 10 000 gouttes par an. Mon naïf a même te caché ton pompier de ça. Moi, je dis, s'il n'a pas payé pour anormal, pour que Yoweb ou Naïf vienne des pompiers, qu'il y ait un système, eh bien, il faut changer le monde. Peut-être ça. Là, les ambassades, ils accusent de gros. Et, comme des Wikileaks, moi, je viens des documents, je me confronte, je suis obligé de présenter des excuses. Et après, mener devant le tribunal, avec avocat. Et là, ça. Il était obligé de m'en tente pour le dédommager. Parce que, les connaît, c'est moi qui le débat, il excusé, il dédommagé, et décision ça se dit là, il est homologué par le tribunal de première instance de Grand-Ouest. Donc, le gouvernement connaît, question de l'ouvrage, c'est la vraie question qui est déjà réglée. Et peut-être ça, c'est dans la violence d'aller, et le régler qu'on y a. Il a signifié la décision par toute juridiction qui a pris. Il a signifié par le ministère de la Justice, par le gouvernement, parce que la décision sera rendue au nom de la République. Il faut que le gouvernement vende Ariel Henry qui était menti. Il faut que le gouvernement connaisse yo, qui a signifié la décision autour pour dire que ce n'est pas vrai. Parce que son citoyen dans le pays, le gouvernement qui était là, qui a fait des ordres, lors le gouvernement venu. Il faut le mettre l'ordre. D'ailleurs, mes amis, avant de prendre la décision, ça va être 1200 mounoui, on ne va pas travailler dans le pays. Dans toute entreprise. Alors, pour toute entreprise, ça, ils ont vu bloquer. Alors, moi-même, je participe à la violence pour me bloquer pour tel point. C'est un homme politique qui devrait plus pour le travail dans le pays. Dans tout le monde, ça, c'est des persécutions politiques. Qui ça moi-même, moi, des produits dans le pays ça. Et c'est peut-être ça que nous dit, à la question que vous avez posée tout à l'heure, nous dit, bon règle qui dit, non bis in idem. Nous répondons devant la justice tranchée sous question sérieux, et selon le pacte relatif aux droits civils et politiques, article 14.1, selon la Convention interaméricaine, ou pas qu'à juger au monde pour même bagarre là, deux fois. Et c'est ça qu'on dit gouvernement. Que juger, que question ça y est, le traité des armes sur le sol national. Les mêmes, la pression s'appliquer. Puisque moi-même, deux fois, si on fait gouvernement haïtien, si on fait peuple haïtien. Et c'est peut-être ça que je dis, on fait confiance à ça, pour me dire peuple haïtien. Ça y est, reproché à la justice tranchée. Et laboratoire ça, qui t'a payé, dit vieux posé, je dis à yon découvrir. Moi, si je ne vais pas devant, je vais ici un journaliste, je dis à seulement. Pour moi, il faut le respecter. C'est la présence de Haïti. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut le mettre pour tout. Ça passe, maintenant. Ça passe. Qui organisation, qui moun ça, qui mettait candidat nous en dehors? Yo tente fait tentative pour yo mette G2O, Jean de yo. Monsieur, comment vous comprenez? Mais qui yo ça? Qui est ce monde? Nous voulons parler de Fritz Alphonse Jean avec 10 pieds. Moi, je ne vais pas mettre des pieds Espérance. Je vais mettre toute valeur qu'il y a. Nous dénoncer le comportement qu'Espérance avec Fritz Alphonse pour façon, il a traité de se mettre G2O, Jean.
tout le monde connaît que le secteur droits humains décrié, c'est à cause de Pierre Espérance. Parce que Pierre Espérance, je dis à la Ligue, nous-mêmes dans le secteur, nous ne sommes pas à l'aise avec le maraud droits humains sur notre pays. Pour qui ça? Plus ça traiter de dossier politique. Au lieu de défendre le droit, nous devons. Mais si tu as son peuple avant de dire, nous-mêmes nous disons que nous ne sommes pas capables encore. Ça veut dire, le pays, ça tourne pour l'aime la fin en deux avec nous. Mais on sait que les politiciens qui ont résolu le problème de notre politique. Donc, barrer ça, et pas le fini, et la fini à partir de ça. Et bataille ça, aussi loin. Noël, directeur exécutif du PNPDH, qui est la plateforme nationale pour les progrès des droits humains, pour nous regrouper ensemble d'organisations à travers tout le pays. Même dans le PNPDH, et nous dénoncer le comportement qui est inspirant avec Frise Alphonse. Pour façon, il y a traité de ces maîtres que j'ai dit en genre. Tout le monde connaît que le secteur des droits humains décrié, c'est à cause de Pierre Espérance. Parce que Pierre Espérance, je dis à la Ligue, nous-mêmes dans le secteur, nous ne sommes pas à l'aise avec le maraud droits humains sur notre pays. Pour qui ça? Les plus traités de dossiers politiques, au lieu de défendre le droit de nous ouvrir. Mais si tu as son peuple avant de dire, nous-mêmes nous disons que nous ne sommes pas capables encore. Pour qui ça? Et M. Jédéon Jean, lui élu avec. Nous sommes des voix dans l'élection qui est faite là. Mais nous saisissons le comportement Pierre Espérance avec Fujian. Et bien, je veux dire, là, nous-mêmes, dans le PNPDH, nous dénonçons ce comportement. Ça. Nous tiens à ce que pour mettre des gens capables de représenter dans le secteur, dans le KPA, valablement. Pour qui ça? Et si que nous ne pas dénoncer ça, et bien, ça continue à faire sur l'autre monde toujours. Parce que si nous-mêmes, en tant que défenseur de droit, nous avons voulu des droits, et bien l'autre monde, ça pitié pour nous. Merci beaucoup. Je crois que les représentants qui a représenté un secteur dans le niveau. Et droits humains au niveau CEP, c'est Pierre Espérance qui est toujours devant pour lui voir mon Zawali. Bon, je ne veux pas nous pas sans savoir que le Parlement là, nous avons gagné en 2015 dans la dernière élection. Nous connaissons clairement c'est Pierre Espérance qui était réuni en Katimimi, qui était fait un Iramel, qui était voué Jean-Simon Saint-Hubert. Prochain, nous n'avons pas mettre candidat nous en dehors. Valablement, mais qui ça gagne? On a qui gagne licence, monsieur? Qui avocat, qui juriste, qui ou activiste politique, qui a fait politique ça fait longtemps. Élection en fait, valablement, monsieur, démocratiquement. Côté que, il y a CSPJ qui l'a, il y a OPC qui l'a, il y a JDP qui l'a en présence, 90% organisation moun qui organise l'élection. Pour un bon matin, monsieur, si Pierre avec Fritz Alfonjean dit que il n'y a pas validé vote droit humain. Tellement saisi ça, monsieur. Moi, en tant qu'avocat, tellement saisi. Pour moi, qui fait en transparence, pas de contestation, pas de démagogie, pas de revendication de ce peuple bagaille. Et puis, au bon matin, vous tenez, 10 tiers personnes, ça vous dit qu'il y a fait tentative valablement pour vous écarter. Puis, moi, simplement, je dis aux gens. Moi-même, je ça, m'a dit, Tipien, ensemble avec Fritz Jean, la société, ça. Moi, un gars le bluffis avec Gaï Koni, le gars tout à boumé. Moi, m'a dit Koni, pour qu'on tâche. Et m'a dit Pierre Espérance, lui-même, par rapport à tout Pierre Espérance, ça a coqué dans la gauche. Parce que l'unité n'est pas à boumé à dizaine. Nous-mêmes, la jeunesse, nous sommes dizaines. Nous sommes centaines. Nous sommes centaines en même temps. Si Pierre Espérance connaît un bon matin, il est capable de mettre nous dehors. La société a. Yo connaît bagaille la patate besoin de changer, mais ça a croqué dans gauche Pierre Espérance. Yeah. Si quelqu'un sur la presse pose une question. Donc nous identifions Pierre Espérance, mais qui est-ce que nous gagnons bref on dit c'est lui-même qui a empêché. Alors mettre pour l'os, c'est comme ça après moi à l'école du droit. Mm-hmm. Tout faire avancer doit être prouvé. Mm-hmm. Moi-même prends responsabilité de nommer Pierre Espérance avec Fils Alphonse Jean. C'est deux tiers personnes ça, valablement qui n'ont derrière bagaille ça. Même si elle est là, elle a besoin de craser par rapport à ce qu'on a dit, elle a fait.
l'autre bagage, juger tout l'autre bagage. N'a pas besoin de tout, n'a pas cité comme voler matériel pour tout l'autre bagage. Ou n'a pas besoin de casser CND. Ça, un bagage iconique, besoin de faire ça. Sous base ça, moi-même, ça m'a dit. Sa priorité, matin là, c'est n'a pas fait tentative. Il y a écarté Gédéon Jean valablement dans le secteur droits humains que l'élection fait démocratiquement en présence du juge de paix, CSPJ. Juge de paix nous dit que CPTA avec gouvernement ressaisit parce que nous-mêmes la jeunesse sommes pas temps. Merci la presse. Nous réunis matin devant primature là et devant bureau Villa Dakar là qui tient lieu de palais national matin pour que nous exprimer révolte nous, frustration nous et préoccupation que nous gagnons par rapport à décision que CPTA prend avec le gouvernement Sahara pour y mettre de côté notre représentant légitime. M'a parlé de Maître Gédéon Jean, yon camarade que tout le monde connaît dans le secteur, li pa gen grain zano qui sorti dans une élection crédible, transparente, publique, que tout le monde tape suivre en direct. Que l'I élu avec plus que 90% vote yo et jodia gede moun ka fait manigans moun ki te fait 3 voix c'est l'I pour le représenter donc nan CPA. Nous vinn la pour nous dire élection 26 août c'était une élection démocratique et c'était une révolution dans le secteur des droits de l'homme. Yes. Après moun pensait que c'est tizan mi yo c'est moun ki bien avec yo qui n'a rien à voir avec le secteur des droits de l'homme. Nous disons bagay ça, fini. C'est ça. Donc je dis, nous-mêmes, organisation et droits humains qui là, que ce soit organisation qui a goumé et depuis longtemps, et que ce soit organisation émergente qui l'a représenté ou là. Nous venons dire CPTA pour lui ressaisir et ajouter le plus vite que possible le nom de notre représentant, le camarade Gédéon Jean. Donc, à la liste qui doit représenter nous dans CPT. Donc, nous disons, pour CPA, si ça n'a pas fait, nous regrettons ça pour nous. Parce que nous, nous avons utilisé tous les moyens généralement possibles pour nous faire respecter ce droit politique que les organisations des droits de l'homme gagnent. Donc, ma campé là, et nous avons des camarades de longue date, mais Mario Joseph, que tout le monde connaît dans le pays, pour goumé que le mené, il va le parler. Et je pense que nous allons entendre et nous comprendre. Mais Marie-Joseph, merci. Bon, et nous disons à Ibobo, pour la presse, et la matin, qui vient couvrir la conférence pour la presse, et dans le sitting devant Villa Dakaïla, pour y réclamer et vote. Qui était fait 26 août là. Je fais un petit cadrage pour la presse. Faites nous pas compte. Et secteur droits humains, il a aussi longtemps. BAI a 28 ans. Il y a des droits à réclamer tout. Mais qui ça nous fait? BAI avec une organisation qui est tout le temps ça. Ça nous fait pour nous permettre l'éclosion. Mouvement droits humains, rien. Nous prenons ni pour nous faire cop, l'agent USAID, l'agent Union Européenne, et l'agent Canada, pour nous dire chez Mangezo et dans la Syrie, chez Mangezo. Et c'est ça nous fait. Nous-mêmes, nous là, nous voulons, en 2024, là, y a émergence des organisations des droits humains. Il faut qu'il y ait émergence. Alors c'est ça le problème. Non, et c'est ça, et CPTA, bon, il va faire mieux que ça. Et qu'il a fait refus contre lui, c'est parce que il y a trois jeunes garçons et jeunes femmes qui votent, qui disent que ce n'est pas tel groupe ensemble, ou bien côté de la famille Delco. Même pour nous, élection, on avait là. Quand on a habité la famille Delco, personne ne dit rien. Et puis, ma prévention, 6 mois, j'ai été fait avec l'État à l'encontre, un cachet à l'heure. Ramel. Eh bien, et c'est comme ça. Et ça, lui-même, il fait la transparence.
avec émergence de groupes, peut-être moi-même tout le monde. Je connais là, je connais côté de parler avec moi. Et je connais ça à terme, même bande. Je connais, mais ça veut dire que le problème n'est pas l'autre bagaille. Il y a des gens qui sautent parce qu'ils ont des bons amis dans la politique. Il y a un bon ami dans le groupe Grenec, il y a un bon ami dans le Kangdou. Il y a tous dans le côté. Bon ami du côté. Mais, il n'y a pas de connaître si. Et une révolution maintenant, mi-temps. C'est vrai, il n'y a pas de quoi pour aller à Genève, dans le Jambé, avec l'autre monde qui aller. Nous n'avons pas aller à Washington, nous n'avons pas aller même. Mais quand même, il faut grandir. Et si on grandit, c'est l'État qui baille l'autorisation. Et bien, pour fonctionner, il faut que jouir de droit ça. Et que, même si on va payer, mais il va dire pour faire. C'est ça le problème. Ce sont des émergences. Et même, j'aime bien la presse. Il y a un gros taureau, il y a un gros média. Et pays ça, nous avons trop d'exclusion. Il faut nous suspendre avec l'exclusion. On nous suspend avec le mode de fonctionnement ça pour tout le monde. Donc, mais c'est la présence. Moi-même, c'est une question de candidat ou pas candidat. Mais ça qui est important, c'est que les gens qui parlent, ils ne peuvent pas respecter le droit de vote des Haïtiens. Si ils ne peuvent pas respecter le droit de l'homme. Mais si les gens votent, est-ce qu'il y a une contestation? Non. Est-ce qu'il y a un problème quelconque, etc.? Non. Si pas gagné, bon, et si on veut demander, moi-même, clair, ouais, j'ai un garçon ça. Alors, mais qui technique, nous connaissons technique, tout est organisé. EHDH organise une technique, lui fait le mort. Parce qu'elle connaît un gars, il y a un monde qui va le voter, qui va le bloquer pour lui. Tapillant pour lui. Eh bien, il n'est pas venu dans l'élection. Il n'est pas permettre d'organiser, parce que c'est lui qui avec au CNH qui a organisé. Il a quitté au CNH pour contre lui. Et puis le bon Dieu en arrière parce qu'il y a autorité, parce qu'il y a chef, parce qu'il y a Montana, il y a Montana. Ça veut dire, donc, bagaille ça, il y a révolu. Yes. Mais il y a révolu, il n'y a pas qu'à faire encore. Et nous-mêmes, tournons la presse pour nous, même bagaille. Même quand on a pris l'an, nous avons pris courage, nous avons en bataille. Ça veut dire, une série de gros organisations, gros radios, ce n'est pas question, pas un gros journaliste, pas un petit journaliste. Mais pour un risque, il y a un travail où c'est journaliste. Période. Et c'est ça, ça est là. Je dis, nous sommes là. Nous sommes là pour nous dire, monsieur CPT, bon, laissez-y. Parce que vous n'avez pas fait rien avec votre monde. Parce que, et monsieur, vous voulez tout. Et au moins, vous voulez dire ça, vous voulez faire. Est-ce que c'est parce que votre là-bas, vous avez raison? Et moi, c'est la presse, c'est ça nous besoin qu'on ait. Vous voulez mettre dans 2001. Et si je dis qu'il y a un problème, il faut dire qu'il s'allie. Et si c'est si bon, on a demandé pour l'élection, on répète. Ok, on répète. Si vous avez joué une régularité, vous avez chita avec le secteur. Demandez au secteur, dites-moi ce qui se passe et jouez une entente. Non pas attendre un gros taureau, un gros sotobre qui compte faire politique avec eux, qui vient corps dans le monde. Et n'apprendre la presse, continuez à comparer. Non? Et même, je n'ai pas un candidat. Mais, quand tu as une organisation de l'Oise qui a un droit de vote sur le côté, organisation émergente. C'est parce que c'est votre personnel qui gagne, qui cause des policiers ça ont mourir. Ça, nous voyons, c'est pas par un policier ça qui mourir hier. Yeah. Et nous-mêmes, au niveau SOS Transport, nous sommes toujours abdi ou chef de police là, qui c'est Normil Rameau, pour prendre responsabilité. Et vous prenez responsabilité, sauf que fait hier. Et oui, c'est un YAS qui fait ça, qui fait là. Mais nous-mêmes, au niveau SOS Transport, ce n'est pas YAS dans la station. Hein? Nous ne pouvons pas reconnaître YAS. Nous perdons plusieurs YAS. Nous toujours dit dans la radio, bon équipe qui est toujours campée sur le bois, qui prend YAS. Yo fait route pisse ensemble avec yo c'est bloc belé aller mais hier ça passe là c'est bandit qui était dans Yas
qui tue policiers, mais il y a SOS Transport côté nous pas rien pour avec ça penser. C'est ça que fait nous te dit, là nous te chita avec DDO1 et de l'Ouest. Nous te dit il faut renforcer sécurité d'Elma au niveau des Cafoua au port. Et pas oublier toute semaine passée à Delma 19, tout nos territoires perdus. Mon paquet de kidnapping qui est en fait au niveau de Delma 19. Et nous attendons ça pour que vous preniez un papa à toute petite li, l'arrivée dans 29 encore, vous levez un paquet de l'autre monde. La police pas jamais prend responsabilité. CP Delma pas jamais prend responsabilité pour renforcer et backup qui Delma. Nous t'ai toujours dit, ou après nous-mêmes, nous t'ai fait un mouvement. Qui est le Delma pas péri, côté nous, tes propres commissariat Delma, tribunal Delma, pour nous voir comment vous t'ai cavré, renforcé, policier au niveau de Cafoua ou quoi, et puis pour tribunal là, t'es ouvert tout. Nous, vous voyez que vous ouvert tribunal là, nous, vous prenez tribunal là, et vous mettez là, mairie Delma, côté, pour vous montrer, pas grand rien qui sérieux qu'a réglé dans le pays, yo couri quitter nous, yo remettre bandi et zone ça comme territoire perdu. C'est ça que n'a dit Normil Rameau prend responsabilité pour renforcer unité spéciale dans bloc Delma 19, Delma 21, Delma 30 jusqu'à Delma 33 parce que zone ça commence territoire perdu. Dans pour semaine qui passe à là, il y a plusieurs kidnappings qui fait. Nous, l'État et nous, chef police là, pas jamais prendre responsabilité pour mettre unité dans la zone ça. Parfois, l'on passe au connu, c'est le messieurs en crémio qui là. Les messieurs en crémio qui là, et dans le bloc ça, les bandits ont débarqué dans la machine. Il y a fait zak dans la zone ça. Messieurs, ça, on pas qu'à répondre. Pas qu'à répondre avec monsieur Bandio qui a un paquet de gros âmes françois. Mais si vous mettez deux trois petits chats qui ont fait varier bien dans la zone, ça n'est pas à prendre comme route personnelle. Depla, retracez fait pour nous. Expliquez-nous qui gens arrivé et qui fait que les policiers ont mourir. Bon, nous pas qu'à retracer parce que les gens nous tendent là, c'est comme ça nous-mêmes nous tendent au niveau des SOS Transport. Mais plus que nous-mêmes nous gagnons YAS, cap travail, yo toujours passé dans zone là, yo gien doit connaître machine trafic qui chaille dans station qui fait ça là, mais c'est raison ça nous même jodi on nous dit faut nous prendre la presse avec famille policier qui mourir, c'est ça que nous dit depuis là monsieur le Normil Rameau prend pouvoir, c'est chaque jour c'est territoire perdu sous territoire perdu. Regardez Gressier, territoire perdu. Mais si on prend grandier, territoire perdu, mon paquet de monde qui a privé mourir, pas jamais gagnant disponibilité qui prend pour contrer Carissal. Donc comment ça y est globalement pour transport là sur la toile? Bon, transport pour nous, licence est paralysée, nous chaque jour nous toujours dit ça. Depuis les messieurs et fait post-péage là. Transport paralysé non mais nous allons garder grand site plus que 4 ans 3 ans depuis zone ça a bloqué et puis nous venons un monsieur que le Steve Kaolia qui te mette un petit bout de barreau à bataille dans zone Gressier pour le faire trafic bâtiment pour le porter camion $2000 américains si à $600 au taux privé $400 et $700. C'est ça que nous avons toujours dit. L'État central prend responsabilité. Tout autant que ces messieurs bourgeois qui ont pas, qui ont droit de nommer, nous fait carré dans sécurité, insécurité. C'est ça que c'est l'État qui peut prendre responsabilité pour l'État mettre canson dans ta li pour voir comment vous contre carré bandit à cravate. Je dis, ce n'est pas une question de bandits qui ont bloqué zone site, bloqué. N'est-ce pas, vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas avoir de douane. Quand vous avez des armes, vous passez. Eh bien, il faut l'État
faut l'État d'apprendre responsabilité pour commencer à mettre les cravate en bas code et puis laisser ça après si nous avons une solution. L'organe de jeudi, c'est avion qui a fait transporter les salons maintenant. C'est avion qui fait au Cap Haïtien, c'est avion qui fait au Anamet, c'est avion qui fait Port-de-Paix, c'est avion qui fait Gonaïve, c'est avion qui fait Jacmel, avion qui fait Jérémy. Je dis, n'est-ce pas, on n'a pas jamais quitté le transport terrestre là, avancé. Il y a tout créé toute divergence pour écraser le transport terrestre là, non, c'est ça que nous dit l'État prend responsabilité. Nous dit Ramil Rameau, Normil Rameau prend responsabilité pour renforcer la sécurité au niveau de Delma 19, Delma 21, parce que jodi an nous pas qu'à compter cadavre encore. Chaque jour qui lève, nous compter cadavre. Laissez pas civil, c'est policier. Laissez pas policier, c'est journaliste. Laissez pas journaliste, c'est machin, c'est businessman. Nous bouquons compter cadavre. Jodi an que Conseil président, CPA prend responsabilité, que PM Gariconi prend responsabilité, que non, mille rameaux pour responsabilité en dedans pays pour tout bagarre aller bien. Okay.